appelle Jésus, l'homme qu'on appelle Jésus. Jean chapitre 1, verset 1. Je vais d'abord lire ce livre. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. On en parlera plus tard. Verset 14. Et la parole a été faite chair, c'est-à-dire qu'elle s'est incarnée. Elle est devenue humaine. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Oh mon Dieu. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Que le Saint-Esprit vous donne l'épignosis de ces choses. Jean chapitre 9, verset 11. Jean 9, verset 11. Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus. L'homme qu'on appelle Jésus. L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé, lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvert la vue. Que le Saint-Esprit vous donne l'épignosis de ce passage. Jean chapitre 19, versets 4 à 5. Jean 19, versets 4 à 5. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, voici, je vous l'emmène dehors, afin que vous sachiez, soulignez cela, que je ne trouve en lui aucun crime. Il était irréprochable. Verset 5. Jésus donc sortit, portant la couronne d'épines et le manteau de peau. Souvenez-vous que la malédiction de la chute avait dit que la terre vous produira des épines et des ronces, n'est-ce pas? Il a mis ça sur sa tête pour que tu sois rétabli. Dorénavant, quand tu sèmeras, tu moissonneras abondamment. Quand tu travailleras, tu seras récompensé. Il a mis ça sur la tête, ça. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur nous. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Pas voici un homme. J'en ai jugé des milliers. Je n'en ai pas vu un seul comme lui. C'est l'homme. C'est ce que doit être l'homme. C'est l'homme par excellence. C'est le prototype de l'humanité dont Dieu a rêvé. C'est celui à qui tout le monde doit ressembler. C'est celui vers qui tout le monde doit tendre. C'est celui à qui tout le monde doit s'identifier. Voici l'homme. Voici l'homme. Que le Saint-Esprit vous donne les diagnostics de ce passage. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Philippiens 2, 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher,
d'être égal avec Dieu, égal, égal. Mais se dépouiller lui-même, on ne l'a pas forcé. Personne ne l'a fait à sa place. Mais se dépouiller lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire du Père. Alléluia. Le même passage dans la version du français courant dit ceci: comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. Il possédait depuis toujours la condition divine. Il n'a pas voulu, mais il n'a pas voulu demeurer de force l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes, homme parmi les hommes. Il a été reconnu comme homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu que, pour honorer le nom de Jésus, tous les êtres, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, se mettent à genoux et que tous proclament à la gloire de Dieu le Père, Jésus-Christ est le Seigneur. La version du Semeur dit ceci: tendez, tendez, tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition de serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Un homme était dans l'occultisme dans mon pays, dans une province où j'ai fait presque 18 mois. Et il s'est converti, et j'ai lu son livre, je pense que certains d'entre vous doivent l'avoir lu. Le livre a beaucoup circulé, c'est un homme crédible, son témoignage est crédible. Et j'aime ce témoignage parce que les détails qu'il relate sont avérés, parce que moi j'ai été dans cette ville. Il raconte venait d'une famille très 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 modeste. Il a perdu ses parents dès son bas âge, donc on le trimbalait de la maison d'un tel oncle à la maison d'un tel autre oncle. Certains d'entre vous ont peut-être vécu cette situation, mais en fait partout où il était, on l'emmenait, il n'était pas traité comme un enfant, c'était comme un serviteur et un esclave. Il dit qu'il a détesté la vie, surtout cette vie-là. Et il a tellement
tellement souffert qu'il s'est juré en lui-même qu'il deviendrait riche, mais très très riche. Il s'est battu pour avoir le bac dans cette souffrance et il a pu avoir le bac. Donc, vous savez, quand vous êtes ambitieux dans ce sens et qu'un jour le diable arrive à le savoir, il va venir vous aider. Et un des professeurs a remarqué son allergie à la pauvreté et son ambition de devenir grand à tout prix. Ce professeur était dans l'occultisme et il a donc proposé de l'initier. Mais il était tellement ambitieux qu'il exécutait tout ce qui était permis pour gravir les échelons, au point où son professeur lui a dit, tu sais, c'est moi qui t'ai emmené là-bas, mais il faut aller doucement quand même. Et il était tellement ambitieux dans ce sens qu'il a dépassé, il est devenu dans leur monde le maître de son professeur, qui était le maître de cette loge dans cette région. Il était ambitieux, il cherchait toujours constamment à gravir des échelons. Mais dans le passé, il avait beaucoup aimé une fille de son quartier avec qui il avait grandi. Cette fille était différente de toutes les autres parce qu'elle était différente. Mais il ne savait pas que la fille était différente parce qu'elle était en Christ. Et des années plus tard, il avait les moyens qu'il désirait avoir. Il avait beaucoup d'argent. Il est reparti dans cette province en quête de cette fille. Évidemment, il a retrouvé la fille. Elle est restée sage comme elle était, toujours. Il lui a fait des avances, la fille a refusé. Et il a voulu l'impressionner avec les moyens qu'il avait, ça marchait. Et il ne comprenait pas. Il disait qu'il n'avait jamais rencontré dans son parcours une femme qui ne résiste pas à l'âge. Et qui résiste à son âge et à son influence, parce qu'il était devenu quelqu'un d'important, entre guillemets, je ne citerai pas son nom. Et un jour, après avoir essayé tout ce qu'il pouvait, il est reparti dans leur monde pour demander de l'aide. La maîtresse de leur club lui a dit, il te reste une épreuve ultime. Et si tu passes cette épreuve, personne ne te résistera. Et évidemment, il a passé l'épreuve. Et il raconte que le jour de cette cérémonie d'initiation, la maîtresse lui a dit, toute personne qui est née de femme ne te résistera pas. Il s'est dit, mais qui n'est pas né de femme? Donc lui, il a entendu ça comme si personne ne lui résistait. Il dit, immédiatement après être sorti de cette initiation, il a essayé de tester ses pouvoirs, il a vu que ça ne marchait pas. Il est reparti encore dans cette ville voir cette fille. La fille est restée ferme. Il ne comprenait pas. Alors, il sait, c'est lui qui raconte, je ne sais pas comment il a fait, ne vous en faites pas. Il s'est introduit dans la chambre de cette fille pour essayer de comprendre qu'est-ce qui faisait sa force. Il a vu que le soir, quand la fille est revenue, elle s'est assise sur son lit. Et dès qu'elle a dit Jésus, elle était automatiquement environnée de gardes. Des gens qui étaient impressionnants et qui étaient forts. La fille a prié pendant 2 minutes. Quand elle s'est couchée, les gardes sont venus la couvrir d'une couverture spirituelle. Et lui, là où il était paralysé.
il ne pouvait plus rien faire, il ne pouvait même plus sortir et partir. Donc il a été immobilisé toute la nuit. Et le matin, quand la fille s'est réveillée, les gardes, et puis les gardes sont restés debout toute la nuit, autour d'elle, autour de son lit. Quand la fille s'est réveillée, elle s'est assise encore, elle a chanté, elle a dit Jésus. Elle a fini de faire ce qu'elle devait faire. Elle est sortie de sa chambre, les anges ont disparu. Et il a retrouvé ses forces. Il comprenait, il n'a rien compris de tout ça. Mais vous savez, l'orgueil fait que tu ne comprends pas, même quand on te montre que tu n'es rien. Il dit immédiatement, quand il est sorti, il a testé son pouvoir, il a vu que ça marchait. Il dit bon, je vais préparer quelque chose d'ultime. Il a préparé quelque chose d'ultime et il s'est dit peut-être que ces gardes-là sont dans sa chambre. Alors je vais l'attaquer sur un terrain neutre. Le soir, il se tenait au coin de la rue. Il a vu la fille qui passait avec un livre. C'était en semaine, le soir. Il a abordé la fille. Il dit, ce qui est étonnant, la fille répondait toujours poliment. Mais elle était ferme. C'est comme si elle était sûre de sa force. Il a encore abordé la fille et la fille lui a dit, tu sais, tu m'embarrasses beaucoup. Mais aujourd'hui, j'ai une idée. Accompagne-moi là où je vais. Il allait à la prière. Elle allait à la prière. Elle a dit, ok. De toute façon, lui n'avait peur de personne. Et chemin faisant, la fille lui disait, tu sais, tu me suis tellement que tu finiras par devenir comme moi. Sont allés à l'église. Quand ils ont commencé à chanter, lui il est tombé. Il dit, il s'est réveillé, il ne sait combien d'heures plus tard. Quand il a ouvert les yeux, il a vu qu'il était entouré par, là ce n'était plus des anges, des hommes qui priaient pour lui. Et la fille aussi était là. Quand il s'est réveillé, il ne se souvient pas d'où il était. Donc c'est un vide dans son histoire et dans sa mémoire. Et on lui a dit, on l'a fait asseoir. Et je pense que c'était le pasteur ou bien un des responsables lui a parlé de la nouvelle naissance. C'est là où pour la première fois il a entendu qu'il faut naître d'eau et d'esprit. Et Nicodème dit, comment un homme peut-il naître? Doit-il rentrer dans le sein de sa mère? Lui n'a pas cru. Et ça a travaillé sa conscience. Donc quand il est reparti, de toute façon il n'a pas voulu accepter. Il disait, il a dit qu'il n'avait pas besoin de ce qu'on lui disait parce qu'il avait tout. Mais quand il est rentré chez lui, il a réfléchi. Naître de nouveau. Il s'est dit, ah tiens, donc il y a des gens qui ne sont pas nés de femme. Donc il s'est dit, il va aller chez sa maîtresse, poser la question. Il était prêt à faire tout ce qu'il faut pour que son pouvoir arrive à atteindre ceux qui ne sont pas nés des femmes. Il arrive chez la maîtresse, dès qu'il aborde le sujet de la nouvelle naissance, la maîtresse s'énerve. Dès qu'il essaie de parler, la maîtresse change de sujet. Il a tellement insisté que la maîtresse lui a dit, ça là, ce sujet-là, il faut quelqu'un de plus grand. Mais tu dois sacrifier ceci, ceci. Ils sont toujours comme ça. Pour pouvoir, pour que j'obtienne une audience avec le plus grand. Elle ne citait pas le nom. Le monsieur prétend dans son témoignage qu'il a rencontré Satan lui-même. Parce que celui qu'on disait être le plus grand serait Satan lui-même. Il prétend ça. Et il dit, après maintes et maintes sacrifices, il en a sacrifié. Plusieurs mois, ça n'a pas fait des semaines, plusieurs mois plus tard, il a obtenu l'audience. Il s'est retrouvé devant celui qu'on appelait le plus grand, qui était entouré de quelques personnalités. Je ne sais pas à quoi il ressemble, ne vous en faites pas. Je n'ai même pas besoin de savoir.
Mais lui, il a tellement réfléchi pendant ces années et l'image ne le quittait pas. Quand la fille a dit Jésus, elle a été automatiquement entourée de gardes. Et devant le soi-disant plus grand, il a dit, va poser sa question. Il a dit ceci. Dites-moi, c'est qui la personne qu'on appelle Jésus? Dès qu'il a dit ça, le soi-disant plus grand est tombé de son trône. C'est lui qui raconte. Vous pouvez ne pas croire. Enfin, ce n'est pas un verset biblique. Et tout ce qui était autour de lui sont tombés. Et il y a eu un désordre dans cet endroit. Et quand le plus grand s'est levé, il lui a dit, ne prononce plus jamais le nom de ce nom-là. Il a dit, mais je n'ai dit que Jésus, ils sont tombés encore. Il dit, ils n'osaient pas prononcer ce nom. Donc ça l'a travaillé. Il a décidé de repartir dans cette province et de revoir cette fille. Et la fille l'a conduit à Jésus. Il est en Christ aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais quand j'ai lu son livre, c'était maintenant un prédicateur de l'Évangile. Mes amis, ce nom-là, le nom de Jésus, il n'y a rien de plus grand dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il n'y a rien de plus grand. Mes amis, réfléchissez dans ces trois dernières années. Combien de messages as-tu entendu dans l'église? Simplement sur Jésus. Tu me mets aussi dedans. Regarde comment on perd du temps. On tourne autour du pot. Et on passe à côté de l'essence. Il est temps de revenir dans la simplicité de l'évangile. Et dans la simplicité de la foi. Vous savez, quand je me promène dans la rue et que je vois un mendiant, ça me touche. Parce que moi, j'aurais pu être mendiant. Certains d'entre vous n'auraient jamais pu être là. Tu as peut-être souffert, mais tu n'as pas frôlé la mendicité. Moi, je sais ce que c'est. Jésus m'a pris de la poussière. Je ne suis pas encore assis parmi les grands, mais je suis en route. Rien n'est impossible avec ce. Toujours commencer par ce nom. C'est la source de toute chose. En dehors de Jésus, Dieu n'a rien. Rien. Toute solution qui échappe au nom de Jésus est une solution vaine. Toute carrière qui ne sert pas au nom de Jésus est une carrière vaine. Tout mariage qui ne repose pas sur Jésus est un mariage vain. Toute vie qui n'est pas fondée sur Jésus est une vie vaine. Je ne suis pas en train de dire que tu ne vas pas faire des choses. Tu peux faire des choses, produire, mais c'est vain dans la perspective de l'éternité et selon Dieu. C'est en Jésus que nous avons la vie éternelle. Si tu ne veux pas disparaître dans l'histoire de l'humanité, attache ta vie à la sienne. Sois le rocher qui fait partie du rocher des âges. On ne t'oubliera pas. L'histoire ne t'oubliera pas. Ne sois pas grand en dehors de Jésus. Rien ne compte si ce n'est Jésus. Alléluia. Mais je suis en train de parler de l'homme. L'homme qu'on appelle Jésus parce qu'on va trop vite en besogne. Jésus est Dieu. Il est fils de Dieu. Mais souffrez que je ne parle pas encore de sa divinité.
Parce que beaucoup plus tard, je parlerai du Dieu qu'on appelle Jésus-Christ. Mais là, je parle d'abord de l'homme qu'on appelle Jésus. Il doit être l'objet de notre étude, de nos réflexions, de nos méditations tous les jours. Il doit être la base de tout ce que nous faisons, de tous nos rêves. Peu importe ce que tu ambitionnes, si cela ne cadre pas avec Jésus, laisse ça tomber. Tu vas perdre du temps, de l'énergie, de l'argent. Alléluia. L'homme qu'on appelle Jésus. Dites avec moi l'homme qu'on appelle Jésus. 1 Timothée 2, 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, comment? Est-ce que vous mesurez ce que Paul est en train de dire à Timothée? Regardez, la médiation est quelque chose d'important dans une situation de conflit. Ou bien, même quand il n'y a pas de conflit, dans l'alliance, dans l'accord, la médiation est quelque chose d'important. Alléluia. Regardez. Tout à l'heure, il y aura un match entre Casa et Stade. Il faut un arbitre, n'est-ce pas? Vous choisirez que l'arbitre vienne de quelle ville? Pourquoi? En réalité, l'arbitre doit venir d'une ville neutre. N'est-ce pas? Pour que nous soyons sûrs qu'il sera impartial. Dans ce match entre Dieu et les hommes, le médiateur est comment? Dans ce match entre Dieu et les hommes, le médiateur est comment? 1 Timothée 2, 5. Je ne sollicite pas ta connaissance théologique. Dans ce match entre Dieu et les hommes, le médiateur est comment? Dans ce match entre Dieu et les hommes, le médiateur est comment? Dans ce match entre Dieu et les hommes, le médiateur est comment? Qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que cela implique? Jésus se tient de quel côté? Pourquoi Dieu a accepté ça? Parce que Dieu n'a rien à perdre. Il est prêt à tout donner. Et il cherche quelqu'un qui va faire pencher la balance du côté des humains. Alléluia. C'est moi qui ai appris à ma femme, là je ne parle pas du pasteur Alain, je parle de mon épouse, ma chère tendre bien-aimée. C'est moi qui lui ai appris à jouer au Scrabble. Vous comprenez? Donc à un stade du match, c'était facile pour moi de la battre, puisque je suis son professeur. Mais à un stade du match, je prends son chevalet, je le retourne, je compose un Scrabble. Je lui donne et je lui place. Et puis on compte les points. Et puis il dit, ouais, je t'ai gagné, je t'ai gagné. Imaginez maintenant moi dans cette situation. Serais-je en colère? Pourquoi? Je n'entends pas les murmures doux et légers. Pourquoi? Je cherche un mot. Pourquoi? À cause de quoi? À cause de l'amour.
Dieu est amour. Il a pris un médiateur qui vient défendre les intérêts des humains sur la table de négociation. Il y a deux contre un. Tu comprends? Ton dossier sur la table du Père est défendu pas par un avocat divin, mais par un avocat humain. Il faut le Saint-Esprit pour que vous absorbiez ce que je suis en train de vous dire. Comment ne pas tomber en adoration rien que quand on s'arrête là? Comment ne pas être rayonnant de joie rien qu'à cause d'un Timothée 2,5? Vous comprenez, quand le psalmiste dit, ceux qui tournent vers lui le regard, ils ne sont pas couverts de honte, mais au contraire, ils sont rayonnants de joie. Je parle de quelqu'un qui est criblé par les problèmes et qui vient au pied du trône. Et le Père lui dit, regarde Jésus, tu n'es pas seul. Il est de ton côté. Il a tout accompli. Il a fait pencher mon cœur pour toi. Malgré toute la conscience que j'ai de tes imperfections, de ta rébellion, de ta tétutesse, lui, il a incliné mon cœur en ta faveur. Il est devenu victime propitiatoire, c'est-à-dire la victime qui te favorise. Comment passer à côté de cela? C'est une perte de temps d'admirer Moïse. C'est une perte de temps d'admirer David. C'est une perte de temps d'admirer Élie. Il y a même un homme, deux, dont on n'a pas dit de faiblesse. Il semble qu'il n'ait pas eu de défaut. Joseph et Daniel. C'est une perte de temps d'admirer Joseph. C'est une perte de temps d'admirer Daniel. Car celui-ci, Jésus, et le Fils bien-aimé de Dieu, en qui il a mis toute son affection, c'est lui que nous devons écouter. Mon ami, reçois ce que je te dis et parle à Jésus. Si Dieu est pour nous, qu'est-ce qui se passe pour que Dieu soit pour nous? Mais nous avons un avocat, nous avons un intermédiaire. Et cet intermédiaire s'appelle Jésus. Il est humain. Et il fait que Dieu vient dans notre camp. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Oh Jésus, merci. Merci Seigneur. Oui, c'est aussi simple que ça. Si vous cherchez un grand prédicateur, allez ailleurs. Je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de devenir un grand prédicateur. J'ai besoin de parler. Et de le laisser confirmer ce qu'il a dit de lui-même. Et crois-moi, il va le faire. Oh Jésus. J'aime Jésus. Il est toute ma vie. M'a démontré sa puissance, son amour, sa capacité. J'avais 7 ans. C'est pas aujourd'hui que je suis attaché à lui. J'ai été marqué par lui sans connaître la Bible. Il m'a donné les preuves de sa grandeur. Il est réel et il est dans ce lieu. Dis à ton frère, tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. Je vais répondre à 3 questions. La toute première est celle-ci. Quelles sont les preuves bibliques de l'humanité de Jésus? Était-il vraiment pleinement humain? Est-ce que Jésus était vraiment humain? La deuxième question est celle-ci. Mais
Quel genre d'humain était-il alors? Et la dernière question est celle-ci. Pourquoi s'est-il incarné? Pourquoi est-il devenu un homme? Et qu'est-ce que cela nous apporte? La théologie va t'enseigner puissamment parce qu'il y a de bonnes théologies. Ne soyez pas allergique au mot théologie. Mais moi qui vous parle, je suis un théologien, c'est-à-dire quelqu'un qui étudie Dieu. En fait, chaque chrétien est censé être un théologien. Il y a une mauvaise théologie, on en convient. On parle même de la théologie libérale. Ce sont des gens qui ont étudié la Bible sans naître de nouveau. Ce sont des descendants de Nicodème. Ils sont en dehors du royaume. On ne parle pas de ça. Mais il y a une bonne théologie. Une bonne théologie. Qui appartient à ceux qui ont le ministère de docteur par l'esprit. Pas qui ont un doctorat en théologie qui leur est décerné par, par une université, quoique une bonne université de théologie va te donner un très puissant complément. Mais il y a des ministères de docteurs, comme il y en a de prophètes, d'apôtres, d'évangélistes et de pasteurs. La bonne théologie appartient aux docteurs par le Saint-Esprit. Et vous voyez, souvent, dans nos messages, on s'arrête à la théorie. Tout à l'heure, je vais vous montrer les preuves bibliques de l'humanité de Jésus, n'est-ce pas? Et la Bible, je peux aussi vous montrer quel genre d'humain il était, pourquoi il s'est incarné. Mais tout ça, ça ne suffit pas. Il appartient à chacun d'entre nous d'essayer de comprendre, mais qu'est-ce que cela m'apporte? Alléluia. Si on te donne les clés, tu es content. Mais tant que tu n'ouvres pas la porte, tu ne bénéficies pas de la puissance de cette clé. Alléluia. Regardez, à chaque fois dans ta vie où tu ne vis pas quelque chose qui est écrit, que tu sais, c'est que tu ne sais pas. Reste simple comme ça. Même si tu as 20 ans de vie chrétienne, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Vous comprenez? Je vais prendre un exemple banal. S'il est écrit que mentir n'est pas une bonne chose, et tu es d'accord avec la parole de Dieu, n'est-ce pas? Mais que de temps en temps, quand tu es coincé, tu recours facilement au mensonge, c'est que tu ne sais pas que mentir est mauvais. Tu ne le sais pas. Parce que vous connaîtrez la vérité, elle fera quoi? La seule preuve que tu connais, c'est quand tu es libéré de ce que la vérité te dit de te libérer. Et le problème de l'Église, c'est que nous avons des gens qui ont rempli leur mémoire. Nous avons des pasteurs qui enseignent l'amour, mais quand tu regardes dans leur comportement, ils ne pratiquent pas l'amour. Nous avons des chrétiens qui savent que la jalousie est une mauvaise chose. Il peut te faire un sermon magnifique contre la jalousie. Mais quand tu regardes sa vie, tu vois qu'il a du mal à être content d'un frère qui réussit mieux que lui. Il ne sait pas, même s'il le prêche, même s'il le dit. Il y a même des gens qui donnent des conseils. Je vais vous raconter une histoire pour vous détendre. J'avais 19 ans, je le sais très bien parce que je venais d'avoir le bac. Et j'avais un ami, un frère de l'église, d'ailleurs un aîné, c'est lui qui m'a donné l'équivalent des cours d'intégration ici, dans les bases de la vie chrétienne. C'est lui qui m'a enseigné ces choses. Il connaissait la Bible. Ce frère-là, il a une bonne mémoire. Ça. Il a le Nouveau Testament dans sa mémoire. Et je l'ai beaucoup aimé parce qu'il m'a accueilli dans l'église. Et c'est quelqu'un de bien, il m'a facilité le contact avec les autres. Il m'a introduit dans la communion fraternelle. J'étais très proche de lui. Et il était très proche d'une sœur parmi eux. Et il se trouva que cette sœur était en dernière année. Elle préparait le bac, mais elle préparait le bac dans la même filière que moi. Et moi, j'avais bien réussi.
Et le frère a fait en sorte que je donne des cours à cette sœur pour la préparer à réussir au bac. Donc nous allions dans leur maison, le frère et moi je travaillais avec la sœur. La maman était reconnaissante parce qu'on le faisait gratuitement. Mais ce que je ne sais pas, c'est que le frère avait des sentiments pour la sœur. Et il s'était servi de moi pour avoir du temps avec la sœur. Et la sœur savait, les deux se sont servis de moi. Mais ce n'est pas ça le sujet. Alors, comme la maman était très reconnaissante, la maman était conseillère conjugale dans notre assemblée. Après chaque cours, elle nous invitait à manger. Nous prenions le dîner ensemble. Avec sa fille, évidemment. Et un jour, elle nous a posé la question. Êtes-vous déjà fiancé? Moi, j'ai ri même. Ça dit, à 19 ans, ça ne me disait rien. Il m'a dit, pourquoi tu as ri? J'ai dit, mais j'ai 19 ans. Il m'a dit, et alors? Je ne comprenais même pas pourquoi elle dit alors. Bon, finalement, en discutant, on lui a dit qu'on n'est pas prêt. Il a dit, c'est la réponse que j'attendais. Quand serez-vous prêt? On a déballé tout ce que tout le monde doit déballer. Quand j'aurai... Vous savez, à l'époque, je pensais que pour te marier, il faut avoir une carrière, une maison et une voiture. Il faut être... Il nous a dit, écoutez, mais qu'est-ce que vous faites de votre foi? N'attendez pas d'avoir tout. Vous avez Jésus, vous avez tout. Elle ne savait pas que sa parole est tombée sur une bonne terre. Le cœur de mon frère. Y avait-il une meilleure nouvelle pour lui? Et poussé par cette parole, le frère alla faire ses déclarations à la sœur. La sœur dit évidemment oui. Et la sœur lui a dit, mais ma maman, elle dit non, non, tu as la meilleure maman au monde. La sœur a dit, ma maman, elle dit non, moi je cause avec ta maman, je vais aller lui parler. J'étais là, mes amis, j'étais là. Ce n'est pas quelque chose qu'on m'a rapporté. Profitant d'une autre séance de cours, ayant prévu que nous allions prendre un repas après les cours, mon frère profita du repas pour annoncer à la dame qu'il avait fait ses déclarations à sa fille et que cette dernière avait dit oui. La dame disait, quoi? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? J'avais envie de lui dire, maman, il a Jésus. C'était là, mais ça ne sortait pas. Ça ne sortait pas. Eh bien, on a eu une crise terrible. Voici une femme qui nous avait dit, tu as Jésus, tu as tout. Mais c'est bien pour les filles d'autrui. Quand il s'agit de ta propre fille, hein, tu changes d'évangile. C'est une femme qui ne savait pas. Vous êtes nombreux ici à ne rien savoir sur Jésus. Vous êtes nombreux. Je préfère vous le dire en face. Vous êtes nombreux, vous savez rien de la vie chrétienne, rien. Certains d'entre vous ont 0,5 sur 1000. Rien. Vous n'avez que des slogans. J'ai confessé Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Tu sais ce que c'est? Qu'un Seigneur. Vous êtes nombreux, il vaut mieux que je vous le dise en face. Vous êtes nombreux qui serait sauvé juste comme au travers du feu. Parce que Dieu est trop bon. Nombreux. Il faut vous asseoir et étudier. Méditer. Vous voyez les torrents de vie? C'est un article très court. On n'a pas fait ça pour que tu le lises. On a fait ça pour que tu réfléchisses. Dis-toi, comment le pasteur a fait pour partir de ce verset et dire ça? C'était un entraînement. Pour y arriver, commence d'abord par raisonner toi-même. Ne lis pas le commentaire.
prends le texte, raisonne toi-même, tire des conclusions toi-même, compare tes conclusions à la nôtre. Et fais un exercice très simple. Comment lui, il est parti de là pour dire ça? Et enrichis avec ce que tu as appris par toi. Regardez, je vais vous donner une preuve, je vais m'arrêter là. On a toute la vie pour parler de Jésus. Dimanche prochain, je continue. Regardez. Regardez. C'est quoi le contenu du jugement dernier? Jésus dit, j'étais en prison. Vous n'êtes pas venu me rendre visite. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'avais faim. Vous ne m'avez pas donné à manger. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il dit, mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, manquer de vêtements, être en prison? Vraiment, si on t'avait vu, on serait venu. Et Jésus dit, chaque fois que vous n'avez pas fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Ok, les humanistes vont prendre ça. Et ils vont dire, il faut aider tout le monde partout. Non, ce n'est pas ce que Jésus est en train de dire. Regarde, Jésus dit ceci. Il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Élie a quitté toutes ses veuves en Israël. Il a été envoyé seulement chez une seule, à Sarepta, en dehors d'Israël. Il est en train de dire, il y avait plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée. Élisée n'est pas venu en aide à tous les lépreux juifs, mais il est allé en Syrie, chez Naam. Il s'agit de discerner Jésus dans un petit qui est autour de toi. Ce n'est pas de l'humanisme. Regarde. Ça m'arrive souvent. Souvent, ça m'arrive dans le train. Je suis dans le train et généralement, quand un black entre dans le train et qu'il n'y a plus beaucoup de place, il a tendance à venir s'asseoir à côté d'un autre black que d'un autre marocain, n'est-ce pas? Et souvent, cela m'est arrivé. Quelqu'un vient, il se sent racialement plus à l'aise avec moi. Parce que on est black, nous deux. Il s'assoit et on parle. Enfin, parfois on ne parle pas. Mais si on peut, on parle. Une fois, nous parlions avec une personne. On a tellement bien échangé qu'à la fin, je revenais de Rabat pour ici. On venait de dépasser Aïmsba pour arriver ici à Casaport. Il m'a dit, mais, oh, excusez-moi, on ne sait même pas présenter. Il m'a dit, je m'appelle tant. Je lui ai dit, je m'appelle Doudou. Quoi? Doudou? Tu habites à Casablanca? Je lui ai dit, ne serait-ce pas le pasteur Doudou? Je lui ai dit, c'est moi. La personne a écouté plein de mes CD. Mais j'ai passé une heure avec elle. Je me reconnaissais. Pour pouvoir le reconnaître, il faut d'abord le connaître. Est-ce que c'est compliqué ça? On parle de reconnaître. N'est-ce pas? Il faut d'abord le gnosis. Écoute-moi. Quand tu commences à connaître Jésus, tu discernes que Jésus est dans ses mendiants. Tu vas dépasser 38 mendiants sur le chemin. Mais le 39e, tu ne lui donneras pas une pièce. Tu lui donneras un billet. Parce que tu as reconnu Jésus en lui. Souvent, on me dit, mais tu sais qu'il y a des mendiants qui sont en fait des voleurs. Vous savez ça, non? Vous savez qu'ici au Maroc, est-ce que vous êtes avec moi? Vous savez qu'ici au Maroc, les femmes vont louer des bébés dans les orphelinats et elles se mettent à la rue pour attirer la pitié. Premièrement, ce n'est pas son bébé, elle-même, elle n'a pas, elle est juste paresseuse, elle ne veut pas travailler.
C'est sorti sur tel quel. Mais regardez, l'intention du diable derrière ça, c'est quoi? C'est de rendre insensibles les gens. Tu vas devenir systématiquement méfiant envers une femme qui tient un bébé. Alors qu'il se peut que ce soit vraiment une vraie mendiante avec un vrai bébé dont le géniteur a abandonné. Elle est livrée elle-même. Tu passes à côté d'une personne qui est vraiment dans le besoin. Comment savoir? Jésus ne te demande pas d'aider les mendiants. Il te demande de le reconnaître dans un mendiant et d'aider celui-là. Tout dépend de ta connexion avec Christ. Je vais vous donner une preuve. Hier, quand j'ai fini de travailler ici, je suis allé me reposer au bord de l'océan. J'ai garé ma voiture et je me suis assis là-bas pour méditer. Et un monsieur est venu. Un sourd. Il disait, et il a un ticket où il écrit 10 dirhams. Vous savez, non? Il donnait à tous ceux qui avaient garé leur voiture. Et quand il te donne le ticket, tu vois que c'est 10 dirhams. En fait, il est en train de dire, on paye dès que tu gares. Le premier a payé, le deuxième a payé, le troisième. Quand il est arrivé à moi, le Seigneur m'a dit, ne paye pas. Bon, en attendant de comprendre, parce que si c'est comme ça, tu dois payer. En attendant de comprendre, je lui ai dit, quelques minutes encore, il est revenu. Le Seigneur m'a dit, il n'est pas nu. Quand il est revenu, j'avais envie de lui dire, menteur. Mais ça, c'est la chair. Je me suis tué. Vous savez quoi? 10 minutes plus tard, je l'observais. Il a regardé. Il est arrivé au bord de la route, il a regardé, il a traversé. Il a disparu. Il a arnaqué 4 personnes. Mais moi, j'ai sauvé mes vies. Il n'est pas muet. Il a dit, je suis resté là-bas 1 heure. Il n'est pas revenu. Ce ticket-là, tu peux l'acheter partout, n'est-ce pas? Comment tu fais quand quelqu'un vient et dit, je suis pasteur, je suis un homme de Dieu? D'accord? Je te présente même une vidéo. Comme les escrocs qu'on reçoit ici. C'est ton contact avec Christ qui fait que là, tu n'es pas entré. Mais reste respectueux. Il y a des pasteurs que j'ai reçus ici. Il est passé par un frère. Son but, c'est seulement de prêcher. Je ne le sens pas, mais je le reçois bien. D'autres, je les ai même invités au resto. J'ai payé le repas. Pour lui montrer que je n'ai aucun problème avec la personne, mais je ne veux pas avoir une connexion. Comment tu sais, ma soeur, que ce frère qui te dit qu'il t'aime, c'est authentique? Comment tu fais pour savoir? Ma soeur, parce que ton mari est censé être ton Christ à la maison. D'accord? Donc tu dois voir Christ en lui, ton Christ à toi, avant de lui dire oui. Le mariage, c'est pas la blague. Mon frère, tu es censé représenter Jésus à la maison. Jésus, je vous dis, Jésus. Je ne suis pas en train de dire que tu dois être bon, que tu dois être prévenant, que tu dois être protecteur, tu dois pouvoir. Tout ça, c'est banal. Parce que un bon humain, quelqu'un de consciencieux va le faire. Non, nous, le standard pour nous est placé très haut. Et ma soeur, tu es censé être l'église. Ce que l'église doit être pour Christ dans votre maison. Est-ce qu'il y a une meilleure manière de vivre? Je suis allé dans une ville, dans les villes où je vais. Je donne des témoignages pour que ça soit pratique. D'accord? Dans les villes où je vais,
Les étudiants me reçoivent, nous prions ensemble. Et j'ai vu l'un d'entre eux, c'est des choses que je ne peux pas expliquer. Dans ses yeux, je voyais qu'il connaissait le Seigneur. Mais vraiment, il mettait ses distances, quoi. Il manifeste de l'intérêt. Mais moi, je sentais dans ses yeux qu'il connaissait Jésus. Donc, parfois il était là, parfois il n'était pas là. Et un jour, il était là. Et j'ai dit certaines choses. Je voyais que lui comprenait. Parce que dans cette vie-là, la plupart d'entre eux sont nés dans mes mains. C'est-à-dire, je les ai conduits au salut. Donc, ils sont en train de découvrir. Donc, j'étais limité dans certaines choses que je devais dire parce qu'ils ne savaient pas. Donc, ce jour-là, j'ai décidé d'aller un peu plus loin. Mais je voyais dans ses yeux que lui, il comprenait. Pourtant, lui, il était pas toujours là. Quand je suis revenu, toute la route, j'ai prié pour lui. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qui retarde cet enfant. J'ai prié pour lui. Et quelques semaines plus tard, je repars dans la ville ce jour-là parce que c'est toujours à tour de rôle. L'un d'entre eux conduit la louange, la prière avant. Donc, ils le font à tour de rôle. C'est systématique. Ils n'ont pas de chorale comme ici. Donc, que tu le saches ou que tu ne le saches pas, c'est à tour de rôle. Et puis un jour, c'est tombé sur lui. Mon Dieu, il nous a emmenés près du cœur du Seigneur. Tu voyais que non seulement qu'il croyait ce qu'il disait, mais tu vois aussi qu'il avait de la technique. Donc, il a de l'expérience. Ça m'a touché ce jour-là. J'ai enseigné encore. Et un jour, tu sais, la meilleure manière d'attirer les gens, c'est de les aimer et de prier pour eux. Donc, je priais beaucoup pour lui. Et un jour, à la fin de la réunion, il est venu. Il dit, pasteur, est-ce qu'on peut parler? J'ai dit, oui, bien sûr. Écoutez sa question. Pasteur, moi, je ne m'engagerai jamais à fond tant que je ne serai pas sûr que j'irai au but. J'irai jusqu'au bout. Hein? Je ne m'engagerai jamais à fond dans la foi tant que je ne serai pas sûr que j'irai jusqu'au bout. J'ai souri, je lui ai dit, explique. Il a dit ceci. Moi, je ne veux pas dire des choses sans les vivre. Je lui ai dit, écoute-moi. L'hypocrisie de ton père, même s'il est pasteur, ne doit pas t'empêcher de t'approcher du Seigneur. Il m'a regardé. Ça s'appelle une parole de connaissance. Le garçon a commencé à pleurer. Il m'a dit, tu n'as pas l'idée. Mon père, il bat maman. Samedi soir, dimanche, il prêche. Et maman doit être assise. Et l'église ne sait. Mais son père ne connaît pas Jésus. Même s'il parle de Jésus. Regardez, quand Jésus est né, on a consulté les docteurs de la loi. On leur a demandé où devait-il naître. Ils ont dit qu'il devait naître à Bethléem et consorts. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Ils avaient la connaissance théorique. Mais quand celui dont ils connaissaient les informations est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Si les gens de Nazareth avaient su ce qu'était cet enfant, au Portugal, il y a un musée dans la ville natale de Cristiano Ronaldo. Il dit, ici est née la star que vous connaissez. Imaginez si les gens de Nazareth s'étaient rendus compte que cet enfant-là, ce n'est pas que Jésus n'a pas donné des signes. On dit qu'il était un enfant ordinaire, ce n'est pas vrai. Il dit, il croissait en sagesse, en grâce, en statut devant Dieu et les hommes. Jésus était un enfant différent de tous les autres. À 12 ans, il a subjugué les docteurs de la loi. Jésus. Quand on a emmené l'enfant de 8 ans au temple, seules deux personnes l'ont reconnu. Une veuve appelée Anne et un
prophète appelé Siméon. Vous vous rendez compte que ce jour-là, ils étaient en train de faire le culte Shem Adonai, Elohim, Israël. Mais le Adonai était là. Lisez Luc chapitre 24. Quand Jésus est apparu aux disciples et qu'il est monté, il leur a dit, attendez à Jérusalem. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés continuellement au temple glorifiant Dieu. Ils étaient dans le culte comme nous. Quand tout le monde disait Shem, Elohim, Adonai, Baruch, Adonai. Pierre et les autres étaient en train de dire Jésus, Alléluia. Ils avaient été en contact avec celui qui était l'objet du culte. Le pasteur de la synagogue parlait de lui, mais il ne le connaissait pas. Jusqu'aujourd'hui, Israël attend le Messie alors qu'il était venu et qu'il est passé. Mon ami, Jésus te visite tellement souvent. Sais-tu le reconnaître? Vous vous rendez compte? Tout a été créé par lui. Et quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Christ se trouve dans tout ce qui existe. Il est l'atome de chaque être. Il est la cellule de base de chaque être. Il est le principe de la vie. S'il y a la vie quelque part, c'est parce que Christ a d'abord commencé. Il a le robinet sur le souffle. Tu es intelligent, c'est lui qui t'a rendu intelligent. Tu es beau, c'est lui qui t'a rendu beau. Tu es fort, c'est lui qui t'a rendu fort. Et Dieu veut qu'il soit tout, en tous. Et ça vaut la peine de passer sa vie à l'étudier. La clé se trouve dans ton gnosis et dans l'épignosis de Christ. Je peux vous parler pendant des heures. Parce qu'il est l'objet de ma contemplation depuis mes 7 ans. Aujourd'hui, j'en ai 40. Et plus, ça fait 33 ans que je réfléchis constamment à son sujet. J'ai tellement réfléchi à son sujet qu'il m'a dit, c'est bon, ne fais plus rien dans la vie. Reste là, juste pour le coup. Comment tu peux être malheureux en connaissant le Dieu bienheureux? Comment tu peux être faible en connaissant le Tout-Puissant? Comment tu peux être médiocre en connaissant celui qui a reçu le nom le plus excellent? Jésus t'appelle à le connaître. Jésus t'appelle à l'aimer. Jésus t'appelle à être passionné pour lui. Jésus t'appelle au même genre d'humanité que lui. Écoutez, quand Dieu a créé l'homme, il a dit quoi? Faisons l'homme à quoi? Arrêtons-nous d'abord là-bas. Vous savez beaucoup de choses, mais arrêtons-nous d'abord là-bas. Vous voyez, j'ai fermé, hein? J'ai fermé vraiment. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit quoi? À quoi? On s'arrête là. C'est-à-dire, Dieu avait une image de lui-même, n'est-ce pas? À partir de laquelle il a voulu créer l'homme, n'est-ce pas? Non? On appelle ça un prototype. Ou bien, pour les cuisiner, un moule. Tu veux faire un gâteau, n'est-ce pas? Tu as d'abord le moule. Tu veux un gâteau avec une telle forme, tu prends le moule qui a cette forme. Tu travailles la pâte, tu la mets dans ce moule, tu mets dans le four. Dieu avait un moule, il a travaillé la pâte de la terre, il l'a mis dans ce moule, il a essoufflé l'esprit de vie.
Et c'est resté comme ça pendant des siècles. 4000 ans plus tard, un homme va dire, Jésus est l'image du Dieu visible. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que Jésus est cette image à partir de laquelle Dieu qui est invisible, Jésus est cette image visible à partir de laquelle il a créé l'homme. Jésus est le moule dans lequel nos vies sont censées être. C'est pour ça que Paul dit dans Colossiens 3:3, ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Je ne peux pas être carré si le moule est circulaire. Je ne peux pas être méchant si le moule est bon. Je ne peux pas être charnel si le moule est spirituel. Je ne... Jésus est l'image à partir de laquelle Dieu m'a créé. Pourquoi viser autre chose dans la vie? Pourquoi viser autre chose? Quel genre de pâte tu es? Ramène-la ton moule. Comment fais-tu pour sortir du four avec une autre forme que le moule où Dieu t'a placé? Comment on fait ça? Yahvé était un nom qu'on prononçait pas. L'espérance de Dieu était inaccessible. Un rêve. Dieu, comme on dit, inaccessible jusqu'à ce que Jésus vienne. On le touchait. Ce jour-là, cette femme l'a touché en prenant conscience qu'il est le point de contact entre la divinité et l'humanité. Il est le point de contact entre la santé et la maladie. Il est le point de contact entre la vie et la mort. Il est le point de contact entre la richesse et la pauvreté. Il est le point de contact entre le bonheur et la misère. Il est le point de contact. Tous ces vœux de Dieu invisibles sont devenus visibles en Christ. Tout ce que Dieu est, c'est incarné en Christ. Dieu est amour, mais on ne le voit pas. Regarde Christ, tu vois ça. Dieu est fort, on ne le voit pas. Regarde à Christ. Qu'est-ce que tu veux de Dieu? Va vers Jésus, tu vas le palper. Tu vas le toucher. Alléluia! C'est pour ça que j'aime Jésus. Il est le chemin. Il est la vérité. Ce n'est pas une affaire d'être chrétien. Le musulman a raison d'être un musulman s'il est né là-bas. Toi aussi, tu as raison d'être chrétien parce que tu es né là-bas. Jésus est en dehors de tout ça. Il n'a rien à voir avec tout ça. C'est le prototype de l'humanité. Qu'a désiré le Créateur. Nous quittons nos ismes là. Le pentecôtisme, le baptisme, l'évangélisme, le bouddhisme, l'islamisme. Ça n'existe pas. Nous sortons de tout ça à la rencontre de Jésus. Il n'a pas touché les gens dans les synagogues. Réfléchissez. Il est en dehors de tout ça. Il est en dehors de tout système. Parce que c'est lui le système. C'est lui la vie. C'est lui le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui l'homme, c'est lui l'homme, c'est lui l'homme. Sortez de tout ça. Je ne suis pas baptiste, je ne suis pas pentecôtiste, je ne suis pas évangéliste, je ne suis rien de tout ça. Je suis jésusiste. Et toute ma vie, je la vivrai en le contemplant. En refusant mes imperfections pour l'atteindre lui, l'atteindre lui, l'atteindre lui. Toute ma vie, je me scruterai moi-même et je dirai, Seigneur, ça là, ça n'existe pas chez toi. Je n'en veux pas chez moi. Aide-moi, Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit. Ton mari se trouve en lui. Ta femme se trouve en lui. Ton travail se trouve en lui. Tes victoires se trouvent en lui. Tes enfants se trouvent en lui. Ta guérison se trouve en lui. Tes solutions se trouvent en lui. Tes réponses se trouvent en lui. Ne va pas en dehors de lui. Ne va
va pas en dehors. Ne va pas en dehors. Ne va pas en dehors. Donne-nous l'épignosis de Christ, Saint-Esprit. Donne-nous l'épignosis de Christ. Donne-nous la révélation de Jésus-Christ. Aide-nous à le faire.